Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous m'avez demandé et que je vous ai promis. Ça y est, on attaque le tuto du grand album. Donc comme je vous avais dit, vous allez le retrouver en plusieurs parties, en plusieurs vidéos, parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Donc la première vidéo sera sur la couverture et la reliure, voilà. Et ensuite il y aura peut-être deux ou trois vidéos donc sur les pages, et une dernière vidéo qui sera sur l'assemblage et la finition de la couverture. Voilà, ça, la couverture, je ne pourrai la finir qu'à la fin. Donc bah écoutez, j'espère que cet album et ces tutos vont vous plaire, pardon, et que certaines d'entre vous le feront. Voilà, donc si jamais vous faites l'album, dites-le moi, et puis ça me fera plaisir de voir votre version, bien sûr. Donc vous pourrez me le faire soit sur Facebook ou me l'envoyer par email si vous n'avez pas de Facebook. Voilà. Il y a Fifi qui est là comme d'habitude, qui vient vous voir. Pardon. Donc comme je vous disais, là vous allez avoir une première vidéo ici. Donc après mon petit speech de maintenant, vous allez d'abord trouver une première partie où je vous mets comme la dernière fois, donc je vous mets la liste du matériel. Et je vous ai fait les plans donc pour la couverture de l'album et également pour la reliure. Voilà, donc vous aurez toutes les cotes pour le pli, pour la coupe. Tout sera très très bien expliqué. Mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à vous les demander en commentaire et je ferai pour y répondre au mieux. Voilà. Donc je vous invite à rester, à regarder la suite de la vidéo, et on se retrouve très très rapidement pour la suite de cet album en vidéo, puisque là à la fin vous ne me verrez pas. Donc je vous fais déjà un très très gros bisou à tous, Fifi aussi. Et comme je dis, vous laissez les commentaires si vous avez des questions ou juste pour me dire ce que vous en pensez. Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures et bon visionnage pour la suite. Bye bye.
ce que ça vous donne lorsque vous avez bien découpé votre papier, vous l'avez plié. Voilà, bon, je ne l'ai pas fait avant. Enfin, si, je l'avais filmé avant, malheureusement. La vidéo s'est effacée. Donc voilà pourquoi je vous ai refait les plans papier. Donc j'espère que ça ira pour vous quand même. Sinon, je vous referai une vidéo juste sur la reliure si vous le désirez. Donc là, on va mettre une double face. Alors on est sur l'envers de la reliure. Et on va mettre du double face sur un côté de chaque petit pli. Pas les plis plans, hein, ceux qui font une pointe. Voilà, et vous verrez après que je vais renforcer donc avec de la colle. Bon là j'ai un peu galéré avec mon flacon de colle, la colle ne voulait pas sortir, mais bon, on y arrive quand même. Donc là, il faut surtout passer bien serré cette pointe pour qu'elle soit bien fixée, car cette petite reliure, comment je peux vous expliquer, ce petit bout de papier de 2 cm va devoir tenir 2 pages avec les décors. Donc il faut vraiment que ce soit très très solide. C'est pour ça que je l'ai fait déjà en papier de 210 grammes parce qu'en dessous, c'est pas la peine. Donc une fois qu'on aura collé ces 4 papiers, enfin, ces 4 papiers de 2 cm, enfin, ces 4 morceaux, voilà, je vais y arriver. On repasse bien le plioir sur le dessus, là, par contre, donc dans les deux sens, et on remet bien en place, donc, voilà, pour que tout soit bien adhéré, que la colle et la double face adhèrent bien. Donc là maintenant sur l'envers, donc l'envers est plat hein, maintenant, vous allez mettre du double face donc sur toute la surface, pour la même chose, hein, pour que ça adhère un maximum. Alors bon là moi j'ai le double face de chez Action, si vous avez des gros rouleaux de double face que l'on trouve dans les magasins de bricolage, c'est encore mieux. Voilà, parce qu'il est encore beaucoup plus fort et moi j'en avais plus, donc j'ai repris celui-là. Mais donc vous en mettez sur toute la surface, donc sur l'envers de la reliure. Thank you.
Donc là, cette reliure va vous permettre de faire 8 pages en tout. Donc si vous voulez plus de pages, bien sûr, il faudra faire une reliure plus grande. Et dans ce cas-là, il vous faudra faire également, vous verrez par la suite, le côté de l'album plus grand que ce que je vous ai donné. Donc si vous... L'idéal, c'est de faire la reliure en premier, bien sûr, et d'adapter la couverture à la reliure. Mais vous allez voir après par la suite. Donc là maintenant nous allons mettre donc du double face de chaque côté de ces 2 cm de papier qui sont sur l'endroit. Donc là maintenant on met c'est le double face qui va permettre de tenir les pages d'album que l'on mettra par la suite à la fin. Donc pareil, hein, mais vous mettez votre double face sur le bord en haut de ce petit bout de 2 cm. Vous verrez par la suite pourquoi. Donc toujours pareil, hein, on refixe bien tout le double face en passant le pliloir de chaque côté de ces pliures pour que ça adhère bien au moment du collage tout à l'heure. Enfin pas tout à l'heure, sur les prochaines vidéos, parce que ce sera pour fixer les pages. Et donc ça, ce sera fait vraiment en dernière vidéo. Donc là on utilise donc le carton plume, hein. Bon, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le carton de grand calendrier ou le carton bois ou le carton gris, mais il faut du plein, hein, pas de l'alvéolé, hein, surtout. Donc je vous remontre les dimensions. Donc là le petit bout que vous venez de voir va, vous allez voir, va permettre de que ce soit bien fixé, qui est le même écart entre chaque morceau de carton plume. Donc le papier craft gommé, comme vous voyez, donc la colle est dessus et donc il faut passer sur une éponge humide pour que la colle tienne. Et voilà à quoi va me servir donc ce petit bout de... Quand j'aurai fini de galérer avec, voilà. Alors là j'ai mis le ruban dans ma bouche. Voilà, vous voyez, pour qu'on ait un écart de l'épaisseur du carton plume, voilà. Comme ça, ça permettra de fermer l'album sans que ça coince. Donc là, vous mettez le papier gomme, enfin le papier craft, voilà.
Et ça adhère très bien, ça colle très très bien ce genre de papier. Bien sûr, on en met les deux côtés pour que ce soit bien solide, mais vous allez voir que je vais renforcer encore avec dans l'autre sens. Pour ce genre d'album, quand ce sont des grands, bon, il faut renforcer un maximum vos structures parce que ma force de manipulation, ça risque de s'arracher. Voilà, donc la première partie de. Enfin, les premiers côtés sont collés, vous voyez, donc on peut déjà plier sans problème pour que la forme de l'album se fasse. Et maintenant, donc, je vais renforcer, donc, toujours avec du papier craft gommé dans le sens horizontal de l'album. Thank you.
si on refait la même chose à l'extérieur de la couverture, toujours dans un souci de renforcer un maximum la structure de l'album. Donc là maintenant on passe à la première couverture que l'on va mettre sur, on va recouvrir une première fois, voilà, donc cette structure, voilà, vous avez vu, c'est une grosse fifille hein, au passage. Donc là c'est là que je prends le papier, les grandes feuilles, donc le papier noir, mais comme vous voyez, comme je vous dis, si vous n'avez pas de grandes feuilles, vous pouvez prendre des A4, mais du coup ça va vous faire du collage en plus, et il faudra y faire très très attention qu'il n'y ait pas de trop grosses bosses. Donc vous mesurez votre structure finale, hein, blanche, le carton plume, et vous rajoutez donc 5 cm de chaque côté pour faire le repli à l'intérieur. Alors maintenant on va recouvrir un maximum de face, donc sur toute la surface de la structure, hein, de l'album. Donc vous en mettez bien partout, surtout bien en mettre sur les bords, hein, pour pas que ça se décolle. N'ayez pas peur, hein, moi j'ai mis, bon, je crois que pour ça j'ai utilisé un rouleau. Toujours pour que ça tienne un maximum. Thank you.
colle blanche en plus que je vais lisser au pinceau, comme ça je suis sûre que ça va tenir. Voilà. Alors surtout, pareil, lissez un maximum votre colle pour éviter les petites bosses dans le papier après. Donc là, moi, la première couverture est noire, hein, mais bon, vous choisissez la couleur que vous voulez hein, par rapport à votre papier déco final. Vous voyez, je lisse vraiment un maximum pour qu'il n'y ait aucune bulle sur toute la surface. Le côté de l'album va être doublé du coup avec le papier noir. C'est pas plus mal parce que ce sera encore une façon de plus de pour qu'il soit renforcé. Donc voilà. Bon, bien sûr, comme il y a la deuxième feuille de papier noir qui va venir se poser sur la première, on remet du double face et on n'hésite pas, on y met une bonne couche. Voilà. De toute façon, je crois que pour cet album, là j'en suis déjà à 3 rouleaux. Je crois que je vais consommer pas mal de double face. Alors maintenant il faut faire les angles pour rentrer les bordures à l'intérieur, voilà. Donc on va couper des angles. Alors vous n'allez pas vraiment jusqu'à la pointe de l'angle, pour pas que le papier s'arrache, hein, bien sûr. Là je vais vous montrer à la main ce que ça donne normalement. Oui, voilà, vous voyez, il est un peu de biais donc de chaque côté. Et donc vous faites ça sur les quatre coins et après vous verrez que je le fais également donc pour le milieu. Donc là, c'est pareil, hein. Il faut que vous n'allez pas voir, là, je sais pas pourquoi, il y a du champ, je suis désolée, ah voilà. Donc les rebords qui vont revenir à l'intérieur, il faut surtout bien les marquer, donc pareil, au plioir, désolée pour ce champ et mon gros bras qui passe devant, voilà, on voit mieux.
pour que ce soit marqué au maximum. Donc vous marquez bien tous les, voilà, tout ce qui doit rentrer. Voilà, là, maintenant on voit beaucoup mieux. Ici, voilà, vous voyez, je recoupe une pointe, voilà, pour que ça rentre bien et que ça ne gêne pas de chaque côté, du coup. Donc ça, c'est la partie du milieu. Vous faites comme si vous recouvrez un livre. Voilà, c'est presque ça. Enfin, c'est même ça. Donc là pareil, vous voyez, je fixe avec du double face. Le double face est mon ami pour cette création. Voilà. Donc vous n'hésitez pas à en mettre aussi. J'en ai mis à peu près trois morceaux, trois bandes sur chaque. Voilà. Bon là, pas besoin de remettre de la colle quand même, mais voilà. Donc là j'avais coupé un peu, hein. Vous voyez, tout a été collé. Tout est fixé, c'est nickel, il n'y a pas de bulle, rien. Du bon travail. Je me félicite moi-même, hein, c'est plus simple. Donc là, pour que ce soit plus propre aussi, je coupe des petits angles. Donc voilà, vous voyez. Donc sur la partie de. Alors, vous ne les coupez que sur la partie de 3 cm. Pas sur les 1,5 cm qui arrivent après. Hein. Que sur les 3 premiers centimètres. Voilà, surtout. Et vous allez voir qu'après, je vais couper aussi en angle, donc les petites languettes qui vont tenir les pages. Donc pareil, je fais un tout petit angle, juste par souci de propreté. Donc là, par contre, pour renforcer encore une fois et pour qu'on ne voit pas de délimitation, je remets un petit papier noir en plus sur le milieu. Voilà. Juste pour, ce sera beaucoup plus propre, plus joli. Et bon, ce sera en dessous de la reliure. Donc, et là, par contre, j'ai pas mis du gros, hein, j'ai mis du fin. Ça doit être du 120 grammes. Hein, c'est une feuille de 120 grammes que j'ai mis. C'est vraiment juste pour cacher. J'ai mis du double face d'abord que sur le milieu. Je vais mettre le double face après car je veux marquer pareil les pliures de la couverture avant de continuer à mettre du double face. Voyez, voilà, je plie pour marquer les pliures et comme ça après je n'ai plus qu'à mettre à bien positionner mon double face pour sur la couverture. Donc on coupe toujours un petit angle, hein, voilà, pour pas que ça se voit de chaque côté. Alors, il ne nous reste plus qu'à
fixer donc la reliure, et là je vais galérer parce que j'ai fait une petite erreur. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Faites la reliure en premier. Voilà, vous travaillez en premier la reliure. Bon, ça je l'avais fait bien sûr, mais après, quand vous coupez le carton plume, donc pour la couverture, la partie du milieu, mesurez-la par rapport à la reliure. Voilà, moi il m'a manqué 2 mm de chaque côté à peine, et ça m'a fait galérer. Voilà, mais bon, après c'est bon, j'y suis arrivée. Hein, mais donc, vous faites d'abord votre reliure. Là, vous voyez, j'ai coupé en angle, comme je vous le disais. Voilà, très légèrement. Vous faites d'abord votre reliure et ensuite, vous coupez votre couverture, enfin, surtout le milieu de votre couverture par rapport à votre reliure. Voilà. Il faut que votre reliure mesure, j'espère que vous allez comprendre. Qu'elle mesure, donc vous ne comptez pas les 3 cm de chaque côté, vous commencez à compter à partir du premier centimètre et demi jusqu'au dernier, voilà. Et les 3 autres centimètres, eux, vont sur les grandes couvertures, donc vous ne les comptez pas. Voilà, j'espère avoir été assez clair, mais je vous referai une vidéo sur la reliure. Alors là, pourquoi je vous dis non, c'est juste pour moi, parce que je veux après par la suite passer un crochet donc dans le milieu du côté de l'album, hein, sur la tranche de l'album, pour pouvoir mettre après un bijou d'album, donc sur le côté. Donc j'avais besoin de percer avant, donc c'est pour ça que je n'ai pas collé tout de suite, voilà. Mais après je vais encore repercer parce qu'il faudra que je reperce dans ma reliure. Voilà, c'est compliqué, mais on va comprendre. Toujours dans le souci que ça tienne, j'ai remis la colle que j'ai donc lissée avec le pinceau. Voilà, c'est ici que vous allez voir que j'ai galéré un petit peu parce que j'ai fixé mes 3 cm tout de suite et j'aurais pas dû, voyez. Donc ne fixez pas les 3 cm de chaque côté tout de suite, fixez-les à la fin après avoir marqué les angles de la couverture, ce sera beaucoup mieux. Et moi je dis, il manquait à peine 2 mm et après, bon, voilà, ça s'est arrangé, voyez. Donc voilà, la couverture, la reliure est terminée, donc la décoration sera faite à la fin. Voilà, je ne vais pas la faire maintenant. Et donc j'ai laissé sécher entre 2 dictionnaires, c'est-à-dire que j'ai mis un dictionnaire à l'intérieur, voyez, pour que ça tienne, je vais vous montrer là, que ça tienne comme, enfin, on voit le trou, hein, pour le bijou. Et voilà, donc le dictionnaire pour que ça se tienne comme ça, voilà. Et j'ai remis un dictionnaire au-dessus pour pas que ça se soulève. Donc là, ça fait une journée que c'est comme ça. Et voilà, on a terminé la première partie de l'album. Et on va se retrouver très très rapidement pour la suite. Bye bye, gros gros bisous à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.